Et bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, plutôt ce soir, enfin il est 18h, donc est-ce que c'est le soir? Je ne sais pas. On se retrouve pour du The Messenger. Donc je sais pas si je vais faire 2 heures de live dessus, ou 1 heure. Ça reste encore à voir. Et si du coup on fait qu'une heure, et donc si vous avez qu'une VOD d'une heure, il y aura certainement par la suite du Nightcall. Parce que j'ai envie de le continuer, ce petit jeu. Amazon Prime, on adore. On adore Amazon Prime. Ah, je vous jure. À jamais, pour toujours. Bon, j'aimerais bien pouvoir tester le son. Vous avez vu le bot Wizbot? Il fonctionne pour les level up et tout. Donc attendez, je teste. Ouais, allez, c'est pas mal. Commençons. Sachant que ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué. Et que ma manette n'est pas branchée. Il va certainement falloir relancer le jeu. Et non. Miracle, les gens. Oui, on va pas oublier de faire un truc. Attendez, oh lolo. Voilà. On passe en plein écran. Pour moi, c'était déjà le plein écran. C'est pour vous, en fait. C'est un peu con. Que le streamer joue en petit écran et que vous avez le plein écran, c'est pas dérangeant. Mais à l'inverse, ça l'est un peu plus, quand même. Ah oui, on était dans cette zone-là. Mais on était contre un boss, c'est vrai, si je me trompe pas. Donc, le grappin. On peut tenir dans les airs longtemps comme ça. Hein. Il y a une limite. Hein. Bon. Hop, Y c'est le shuriken. Et les gâchettes, ça sert à rien. Bon, on est reparti. Hein. Alors, je ne vous promets rien du tout, là. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué, donc... Bon, voilà, ça c'est fait. Salut, Fighters! Comment ça va? Ah, à moins que... On reste dans du... Du Metroidvania. On va faire ça. On va peut-être rester sur du Metroidvania. Je vais peut-être jouer à un jeu dont j'ai pas forcément beaucoup l'habitude. Allez. Il va venir m'attaquer. Ouf. Ok, ça le stop de faire ça. Allez, viens là, mon petit. Non, là. Oh putain, on a plus qu'une vie. T'as joué à Fez, c'est le jeu qui était gratuit, c'est le petit bonhomme qui est sur une île et tout, où tu peux... Non, je sais plus. Je confonds Fez souvent avec un autre jeu, je sais plus c'est quoi. Mais c'est le jeu qui était gratuit sur Epic, c'est ça? Que je connais, bah je connais, j'avais joué il y a longtemps, je... Ok, d'accord. Oh, c'est trop. Ouais, j'ai vu. Oh, Céleste, j'ai hâte. En plus, j'ai de la chance. Je me suis pas du tout fait spoiler. Donc, je vais pouvoir le faire à fond. Inside, je connais un petit peu. Donc, voilà, quoi. Ça me met un peu le seum. Mais Céleste, hâte de le faire en vidéo. Enfin, d'y jouer tout simplement, que ce soit en vidéo ou non. Ok, on peut le stopper, le petit con.
Non. Après, je vais peut-être faire un peu du Hollow Knight. Parce que c'est toujours un jeu qui reste mystérieux pour moi. Parce que j'avais commencé le début il y a longtemps, mais j'ai vite arrêté parce que je galérais sur le jeu. Et viens là petit. En plus, je crois que tu me l'avais conseillé. Hop. En vrai, il est pas compliqué, hein. Une fois qu'on a compris la strat qu'on peut taper dessus quand il descend. Et merde. Et qu'on fait pas ce genre de merde. Mais en fait, moi, le jeu, je l'avais mal en tête. Parce que ce jeu, le début, je me souviens, j'essayais de trouver le chemin où il faut aller, et impossible. Je comprenais pas du tout comment ça fonctionnait. Putain. Oh, j'ai très peur. On est chaud. Ce bâtard qui avait pas prévenu qu'il allait faire ça. Bon, attendez, je vais juste faire un truc. Ce sera mieux pour après. Hop. Parce que de base, je voulais faire un live sur Operencia. C'est un jeu un peu à la... Pour ceux qui connaissent, comment ça s'appelle? Putain, j'ai oublié le nom. Un dungeon crawler. Mais ce que j'ai vu, il est pas vraiment crawler totalement. Voilà. Normalement, ça devrait pas perturber le live. Plus il fait que 7 gigas. Donc, au parrain de ça, je pense que j'en ferai une découverte. Parce que c'est le genre de jeu que j'aime bien. Ouais, j'aime bien les faire plutôt en solo, ceux-là. En général, ces jeux-là, c'est pas les jeux où tu parles, tu réfléchis. Après, pourquoi pas, je verrai. Hein. En vrai, on a de la chance, il est pas compliqué. Et merde. J'ai eu très peur. Non. Allez, vas-y, crache tes boules de feu ici. Oh, c'est dégueulasse. Il fait pas d'habitude autant de trous. Hein. Bon, c'est pas grave. On va mettre ça sur la RNG. Et oui, aussi. Il y a tellement de jeux qui sortent en ce moment. Il y a... Putain. Quelque chose à voir Morta qui a l'air hyper bien. Tout de même, il y a joué, il a l'air hyper bien. Il y a Dicey Dungeons que j'ai toujours pas pu commencer, j'ai regardé que des vidéos. Et putain, qu'est-ce qu'il a l'air bien, Dicey Dungeons. En vrai, je regrette un petit peu d'avoir commencé plus tôt mon alternance. Parce que j'aurais pu jouer à tous ces trucs et faire plus de live. Maintenant, je regrette. Non, mais oh là là. Et que du fail là. Hop là. Du coup, comment ça marche le score? Parce que dans le tableau des scores de Wizbot, il y a des gens que je ne connais pas du tout. Bon, allez, ça va le faire. Peut-être que c'est une mauvaise idée de le faire commencer là au milieu. Faut peut-être le faire casser les petits nuages et pas les gros.
Et réfléchir, ouais, voilà. Réfléchir à son placement, parce que si on se met à 36 000 km, le truc, il va faire un gros trou, parce qu'il va être en plongée, quoi. Ah, si, là, c'est bien. Bon, allez, un coup, c'est pas grave. Vous voyez, les petits nuages, ils sont... Oh, putain, je voulais regarder le chat. J'ai bien fait me faire niquer. Mais oui, il est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas de... Eh merde. Je parle. Il n'y a pas de skill à avoir en soi. Merde. Ouais, oh là là. On a eu très chaud là parce que les nuages, ils étaient répartis. Oui, qu'il y a quand le petit. Eh merde. Non! Je me suis jeté dans le gouffre. Comme un con, je suis resté à côté. Non, c'est pas grave. Y'a pas des petits trucs à acheter? Non. Sinon, je l'aurais déjà acheté. Saut de l'écureuil! Allez, augmenter mon DPS. Je voulais taper plus vite. Ici, voilà. Reste là, mon petit. Ouh, on a donné 3 coups là, c'est bien. Par contre, d'habitude, il crache du feu. À la vie, c'est parce qu'on lui fait trop de dégâts d'un coup et du coup, on se fait niquer. Oh, allez. Mais vous voyez. C'est pas être cool. Je peux pas le faire. Soit par moment il attaque 2 fois, soit il attaque 3 fois. Mais je me demande, c'est pas parce que je fais trop de dégâts d'un coup. C'est fort probable. Du coup, ça reset pas les nuages. Du coup, je suis niqué. On va casser que les gros nuages. Changement de tactique. Oh, on peut pas sacrifier autant de gros nuages. On va voir, là il a fait 2 fois l'attaque. Où il se met en bouboule. Ouais, il l'a fait bien 3 fois là. Ah, j'en ai marre. Du fail en voiture, en voilà. Ah, tenez, attendez. Je vais juste faire un truc. Prévenir sur le Discord que ça commence. Que le but du Discord, c'est aussi ça. Allez. Bon, pour l'instant, je sors plus beaucoup de VOD parce que j'ai pas le courage de mettre des miniatures et tout. Même les descriptions pour les découvertes. Oh, là, c'est un bon deal. Donc, ouais. Et j'hésite à laisser le premier épisode de chaque Let's Play sur ma chaîne. Vous voyez, il l'a fait que 2 fois. J'ai bien raison. Hein. Je suis sûr qu'il y a moyen de l'avoir plus. Il y a un moment, attendez-vous à voir du Castlevania. Heureusement qu'on avait eu le saut du deuxième coup. Enfin, du coup. J'aimerais bien faire mon Castlevania préféré sur Game Boy Advance. Aria of Sorrow. Même s'il est un peu dépassé, hein. Pas se mentir, mais il est hyper bien. Je vous l'assure. Sinon, oui, voilà. Ça va pas le faire si à chaque fois on se prend un coup comme ça, hein. Il clignote rouge. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il va speeder. Allez.
Et cette fois-ci, on se pouvait pas voir comme ça. Allez, on peut le faire là. Cette fois-ci, on se fait pas voir. La technique shuriken pour l'étourdir. Voilà. Pendant un moment, comment je vais y aller? Non, je j'ai pas envie de faire des sauts. Et là, je me suis dit, et shuriken. What's that, a dragon? Ce n'est pas un dragon. Attends. Le dragon nous aime. Merci, Fighters. Et du coup, le night est terminé. Super. Ce mec-là, c'est le genre de mec qui nous attaquait au début. Hein. Il ressemble beaucoup au mec qui nous attaquait, qui esquivait tout. Ah oui, bah oui, c'est lui. Il était tout seul et tout. Il reculait en arrière et tout. Je t'observe depuis longtemps, messager. Mais qui êtes-vous? Ainsi, tu t'es laissé berner par mon déguisement. Évidemment, je regrette que tu aies libéré mon compagnon dévoué, mais peu importe, car je suis à présent certain de pouvoir te vaincre. Vous ? Ha ha, surpris ! Vous allez payer pour ce que vous avez fait subir à mon peuple. De bien terribles menaces de la part d'un aventurier si peu expérimenté. Le bas monde infernal t'attend, messager. Enfin, le parchemin sera à nous. N'oublie pas, chaque pas peut être ton dernier. Le dragon, il nous aimait quand même. Je suis sûr qu'il va nous aider. Bas monde infernal. Bienvenue. Oh, c'est très joli. Je me demande ce que ça donne sur téléphone. Le rendu doit pas être aussi beau. Le jeu de couleurs est parfait. Ouais, vous avez un truc assez rétro, limité en couleurs. Ah, c'est chiant. Même la musique, elle est trop bien. Waouh. Merde, putain. Putain, la musique est juste épique, hein. C'est bon là. Eh, c'est hyper bien. Eh, franchement, le futur est bien. Et là, je me demande comment on fait pour y accéder. On aura certainement accès. C'est peut-être à jouer avec le temps pour les zones comme ça, du coup. Ah, c'est pas grave, on s'est pris un dégât. Ouais, non, du coup, le monde là est parfait, il est trop bien. Bon, eux, ils nous font plus rien. Attends. Ah, bien. C'est super comme feature, ça. C'est bien trouvé. On dirait une salle pré-boss. Hop là. Putain, heureusement que je l'ai vu, je l'avais pas vu du tout. Eh merde. Allez, lâche-toi. Hop, hop. C'est injuste que ces projectiles traversent le mur. Hein. Ça devrait pas être ainsi. Hein.
non. Quand j'ai sauté, je me suis dit, c'est peut-être pas la bonne idée. Et j'ai quand même voulu faire le con. Pam pam pam. Ça va, il nous redit pas notre compteur de mort, ça me rassure. Et j'ai oublié de sauter. En plus, j'ai la cape qui me permet de planer, hein. Je sais pas pourquoi j'utilise jamais. C'est beaucoup plus utile avec la cape. C'est chiant quand la musique s'arrête comme ça brutalement, non? 178 morts. En à peu près, ouais, 3h30. C'est pas mal, hein. Hop là. D'ailleurs, je me demande ce qui se passe quand on fait un uptime. Attendez, je vais tester un truc. De toute façon, ça compte pas dans la run, y'a pas de temps. Oh non! Non! Oh le bâtard, il a profité que j'étais AFK. Uptime. Ouais, y'a que le movebot. Donc, faudra que j'active les commandes. En plus, l'avantage de Wizbot, il fait exactement ce que je voulais, c'est-à-dire un système de messages partant. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit tous les... Ah bah non, mais le Wizbot, il le fait aussi. Mais le Wizbot, il est parfait. Donc ouais, il faudra juste mettre les commandes. Comme ça, je les mets tous les... Ouais, tous les... Merde. Par les jeux. Tous les genre 15 minutes, comme ça, c'est parfait. Parce que le Wizbot est beaucoup plus complet, hein. On voit le nombre de messages dans la conversation. Allez, toi meurs. Donnez-moi de la vie, non. Ah, ils sont chiants ces trucs de merde. Hop là. Eh, on a peut-être l'argent nécessaire pour acheter non. Être full dans les trucs comme ça. Et les sous, je sais pas comment on va les choper. Tu as le même chapeau. Peu importe. Ah ouais, c'est vrai, on a le même chapeau que lui. Putain, il cherche l'embrouille. Hein. Hop là, parfait. Et la dernière amélioration, c'est quoi? Mais quand je vois ça, je me dis, ben le jeu est déjà bientôt fini. Ah, ça c'est utile contre les piques et tout. Hein. Mais ça nous coûte 1000. Putain. Fallait s'en douter que ça allait arriver. Je sais pas pourquoi je me suis dit, bon, on est vulnérable, on va essayer de retourner en arrière. Ok, on se prend pas les dégâts. Je doute que la lave soit gentille. Quel boulet. Voilà.
Ils sont rapides. Hop là. J'ai l'impression d'être revenu avec plus de skills. Bon, ça doit être juste une impression. Hein. Je dis ça et dans 5 minutes, je meurs pour rien pendant 30 heures. Hop là, on récupère. Non, on peut rien acheter. Le saut de la cape est vraiment aussi... Oh non, le pauvre. Enfin, on va être obligé de le faire comme ça. Bon, je pensais pas comme ça, mais je pensais plus à... à faire comme ça, le truc. Mais la technique que j'ai fait était plutôt pas mal, hein. Ça, c'était du fail. Un beau fail, hein. Non, j'ai pas encore essayé. J'ai un peu le speed du début parce que j'ai vu Tom Yomi jouer, mais c'est tout. Putain, boulé. Non, mais arrête de me faire perdre des vies comme ça. Faut attendre le début du mois pour avoir un peu plus d'argent pour l'acheter. Je pourrais très bien faire comme l'ancien over de l'époque, c'est-à-dire craquer le jeu, mais j'ai pas envie pour celui-là. Parce que craquer un petit jeu pour lequel j'ai aucun a priori ou quoi, ouais, mais genre Horror Story, je sais qu'il est bien. Horror Storytelling Lies. Horror Story, je me souviens, je sais que je l'avais pas acheté. Oula. Mais là, ouais, j'attends pour pouvoir l'acheter. Après, ça va, je me fais pas facilement spoil. Et merde. Donnez-moi de la vie. Mais attendez. Merde, on était pas dessus, c'est pour ça que je me dis, ouais, y'a un point juste avant. Oh putain, fais chier. Et toi du coup tu l'as testé? Tester ou terminer, je sais même pas sa durée de vie. Ou pas encore le temps, toi non plus. Enfin, un temps moyen. Parfait, on a réussi. Legit. J'ai cru que j'allais encore me suicider. On perd des vies, mais c'est pas grave. Ok, j'ai ma réponse, la lave elle monte encore. J'en ai marre. C'était parti pour faire demi-tour là. Et aller dans le petit truc cavé. Mais merde, pourquoi j'ai arrêté d'être en papillon? Mais...
Allez, on grimpe, on fait pas attention aux éléments. Désolé de pas parler beaucoup, mais là j'essaie d'être concentré. On l'a fait! Oh, il y a un checkpoint. Heureusement, j'ai envie de dire. Non, pas encore. Et tu sais pas non plus sa durée de vie. En vrai, je suis content hein, que le jeu soit pas aussi cher. Franchement, un travail comme ça, j'aurais pensé qu'il coûte beaucoup plus cher. Mais non, là, il est pour... Merde. Pour 16€, c'est que dalle en vrai. Enfin, je sais plus le prix de Her Story après. Hein. Je trouve Her Story coûtait moins cher et. En même temps, à l'époque, j'étais petit, j'étais un gamin. Hein. Mais pas d'argent. Non, ça va pas s'ouvrir. Hop là. Je me demande si c'est une zone qu'on a déjà fait parce que ça me dit grave quelque chose. Mais en mode obscur quoi. C'est possible ça. Ah alors voilà. Vous ne pouvez plus vous cacher, démon. Et pourquoi me cacherais-je? Tu es tombé dans mon piège. C'est ce qu'on va voir. T'as tout vu? La dernière heure du champion des robes bleues a sonné. Il va pas m'avoir. Ok, faut juste le laisser tourner en rond. Bah c'est pas le jeu que tu m'avais parlé sur Discord? Ou tu m'avais envoyé le truc ou... Attends, je vais vérifier ça 2 secondes. Et pour moi, c'est le jeu que tu m'avais envoyé sur Discord. Là, avec moi, c'est mieux. Taverne. Tu m'avais envoyé le trailer. J'en ai parlé à un de mes potes. Ouais, si, tu m'en avais parlé. Ouais, j'avais regardé. Il a l'air hyper bien. Non, faut que je prenne le jeu. Hop là. Bon, on a compris la strat, allez. Ça m'empêchera pas de perdre une vie, 2 vies. Allez. Attends-moi dessus.
On lui a pas fait beaucoup de dégâts visiblement. Mais voilà, mais comment je suis censé faire? Je me place au mauvais endroit, c'est ça? Allez, go. Mais vraiment, les musiques de ce monde sont vraiment bien. Allez, rejette ton épée. Allez, jette. T'as, et comme un con, je me mets dessus. Mais vous voulez que je fasse comment? Je peux pas. Je ne peux pas. Attends, il est gratuit? Attends, j'avais pas vu qu'il était gratuit. Ah. Non, j'avais pas vu qu'il était gratuit. Ah non, il y a aucun moyen de... Peut-être que la technique réside dans le fait de rester accroupi en bas. Oh là là, mais c'est trop chaud. Vraiment, c'est trop chaud. En plus, j'ai du mal à gérer le saut écureuil. En plus, on perd trop de vie. Allez, envole-toi. Techniquement, il va balancer. Ouais, voilà, ces deux épées. Ok, il peut plus attaquer. Ok, et c'est là qu'il fallait l'attaquer. Il redescend. Je commence à saisir. Bon, on a perdu, mais c'est pas... Je commence à saisir, c'est bon. C'est un super entraînement au saut là-dedans. Pardon. Envole-toi. Bon, allez. Over quand même. Mais non. Allez, c'est loose. C'était obligé, je voyais pas comment faire. Ah, fait chier. Je vais y arriver, hein. On
On a perdu une vie, ça va pas dire que c'est perdu. Bon, allez, vas-y. Ça m'énerve! Je vois pas comment atteindre ce truc-là, là! À moins qu'il faut faire des allers-retours, hein. Puis, allez, de toute façon, on va se prendre des dégâts. Putain! Non mais oh allez, c'est loose là. Clairement c'est loose. C'est loose. Une reste de vie. Une vie. C'est pas possible. Voilà, vous voulez mourir. Hein. Oh mais la technique. Oh mais la technique. Oh mais la technique. Ah, faut pas le toucher. Allez, descend. Merde. Ah, c'est bon, je commence à comprendre. Et je commence à comprendre ce que... Je crois que c'est Arzak qui me disait. Avec le grappin, on peut lui foncer dessus sans prendre de dégâts. Ah merde. Bah c'est bon, j'ai tué sa tête. Non. Fais de la merde. Hop, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a fait très peur. Et là, il va me refoncer dessus, c'est ça? Quoi? Non. Salut, Vugle, comment ça va? Allez.
Putain, mais c'est ça la technique, on reste au-dessus de lui. Ouais, non. C'est pas la meilleure des trucs. C'est ouf ou bof? Ok, d'accord, ça marche. On a déjà foutu 5 coups. C'est gratis. Hop là, et là, je fais du bon jeu. Hein. Ah, fait chier. Voilà, c'est injuste. Vous avez vu là, l'espace entre les trucs? Non, on peut y accéder, hein. Je suis un peu de mauvaise foi, mais bon. C'est un peu normal, hein. Allez, lance ton combat. J'ai perdu 2 vies. Pas une bonne chose ça. Mais c'est totalement une mauvaise idée, Hoover, d'attaquer aussi près. Attention. On va pas faire les fifous, on va juste attendre. On n'est pas en speedrun. On est en mode détente. Ah. Hop. En vrai, c'est pas l'étape la plus compliquée. On est clignote, hein. Lui, il remonte. Mais je suis con, pourquoi j'ai pas fait ça tout à l'heure? Allez, tu t'arrêtes. J'ai très peur. J'ai qu'une vie. Allez, fonce. Ouh. Non, putain, je l'ai su avant. Je le savais que j'allais mourir. Putain, j'ai le seum. Ah, j'ai le seum. C'était tellement prévisible. Ah. Mais on sait le gérer. Et regardez, j'ai fait une vie durant tout le combat. Après, c'est pas un boss compliqué. Hein. Bon. Faut toujours perdre une vie dans un combat. Pff.
Et merde. On n'est pas pressé. Je regarde même plus l'écran. Faut pas que je cherche l'embrouille. Faut pas que je cherche l'embrouille. Plus c'est qu'une hôtel, petit pépère. J'ai oublié la tactique du rap. Hein. Tout mélangé. Là, je sens que cette fois-ci, c'est la bonne. Ouais, peut-être pas. Vraiment pas. Allez. Putain, je savais qu'elle allait lancer ces trucs de merde. Qu'est-ce qui m'a pris? Bon. Ouais, c'est peut-être pas la bonne, mais ça a failli l'être. Hop là. Normalement avec Wizwatch je peux changer le nom des trucs. Parce que vu qu'après je vais aller sur le Hollow Knight. En fait dès que j'ai fini ça. Eh merde. Vaut mieux que je le garde quand je suis pas sûr de l'avoir. Voilà, on va stagner comme ça. Allez, encore une fois, tout à l'heure, je suis mort parce que j'ai voulu faire le fifou, je suis mort dans la lave. Enfin, dans le feu. Bon, hop là. Putain, attendez deux secondes. Me revoilà les gens. Mais merde, c'est pas grave. C'est un PV. C'est deux PV. Tu vas m'attaquer ou pas? Oui. Putain. Techniquement, il me reste 6 minutes, vu que j'ai dit 1 heure de live sur ce jeu. J'ai envie de respecter mon quota d'une heure de live sur lui, plus une heure sur Hollow Knight. J'ai bien failli me suicider là. Le feu s'arrête dans 1, 2, 3. Bon, c'est pas pris énormément de dégâts. Quoi? Non. On peut pas mourir là. Non! Il était en train de clignoter rouchant.
Il était mort. Putain. Il manquait juste un coup. Il m'a pas touché en vrai. Tout ça parce que j'ai pas géré la flamme. Ah, j'ai le seum quand même. Je suis empli de sel. Il clignote ou pas? Merde. Non, ça c'est injuste. Allez! Voilà. Tout à l'heure, c'est le coup qui manquait. J'aurais pu lui donner, je me suis dit, non, on va se reculer. Et j'aurais pas dû le faire. Il n'était pas compliqué, encore une fois. C'est juste du fail. On aura fait deux boss en un seul live. Impossible! Il n'existe aucune créature plus rapide que moi. Dites-moi comment mettre fin à cette malédiction, sinon. Ah, tu croyais vraiment que ça serait si simple, Ninja? Tout cela nous dépasse, toi comme moi. Non, je vais briser la malédiction. Après vous, je vaincrai le roi démon. Ne sois pas si naïf, messager. Aucun de nous ne sortira vivant d'ici. Si je ne peux récupérer le parchemin, alors il sera détruit par la lave. Quoi ? Explosion ! Le dragon! Ouf! J'ai bien cru que cette fois... Je suis là, l'ami. Merci, je t'ai sauvé, tu me sauves. Eh oui, les beaux contes font les bons amis. Tu t'appelles comment? Manfred. Drôle de nom pour un serpent céleste. Ce n'est pas mon vrai nom, mais j'ai toujours rêvé d'être majordome. Pourquoi majordome? Je vois pas le rapport. Ah, tout est dans le détail. Il faut savoir mettre toutes les chances de son côté. Et je préfère qu'on m'appelle Manfred. Si ça peut te faire plaisir, Manfred. Qu'est-ce que tu faisais avant que les démons contrôlent ton esprit? Je t'expliquerai ça plus tard. Pour l'instant, c'est à toi de jouer. Oh non, on contrôle pas. Le jeu est magnifique. Vraiment. Moi, j'aime bien le jeu. Oh, le roi démon. Ha! Tu espérais peut-être être sauvé par le héros de l'Ouest? Aucune prophétie ne te sauvera, Vermisso. Prépare-toi à mourir. Non, mais vous êtes sérieux? Tu vas pouvoir arrêter maintenant? Toi! Décidément! Barmat. Tadzel. En avis, Manfred, ça veut dire juste majordome en anglais. N'est pas digne de ma confiance. Ton. À mon avis, Barma Tadzel, c'est le truc en dessus. Ton règne s'achève ici, tyran. Ignorant que tu es. Tout autant qu'arrogant. Mon pauvre petit ninja. Notre malédiction est éternelle, mais tu ne l'es pas. Quant à toi, petit soldat d'opérette. J'ai hâte de voir mes sbires te réduire en bouillie. C'était extraordinaire. Vous êtes le héros de l'Ouest, c'est bien ça? Non, je suis...
ai-je volé si loin vers l'est que j'ai accompli le tour du monde et que je suis retourné dans mon village depuis l'ouest? Ah, c'est vrai qu'on avance toujours vers l'est. Tout est si différent, la tour du temps m'a donc vraiment envoyé dans le futur. Mais alors, j'ai une mission plus importante à te confier, enfin je crois, pardon. Non, je suis plus sûr, prends ce parchemin. Tu dois traverser le monde et l'apporter au sommet de la plus haute montagne. Moi, c'est vrai, à vos ordres. Je n'en pouvais plus de cet avant-poste. Oui, l'époque requiert un messager. Un messager? Bonne chance. C'est tout? Ça suffit, prends ce parchemin. Genre, il le donne comme ça. Ainsi s'achève ton rôle de messager. Je fais quoi maintenant? Eh bien, tu pourrais prendre un moment pour méditer sur le fait que tout ceci n'était qu'une boucle temporelle. Ah non! Je veux encore faire partie de l'aventure! Ne t'inquiète pas pour ça. C'est-à-dire qu'il est temps. Temps de quoi? D'enfin ouvrir l'armoire et me tutoyer. Vraiment? Oui, vraiment, ouvre-la. On va devenir un moine. Donc c'est juste une armoire de robe bleue. Et je vous rappelle que le démon nous avait appelé le truc aux robes bleues. Hein. Donc je pense que les messagers deviennent des robes bleues. Bien sûr, à quoi tu t'attendais? Ne reste pas les bras croisés. Attrape-en une à ma taille. Oh, ça se trouve, c'est nous, mais du passé. Te voilà mon égal. Je crois que j'attends quelqu'un qui arrive. Fuis derrière le comptoir. Et on va revoir le messager. Ah non. Ah, le messager. Je ne t'attendais pas si tôt. Je suis où, là? Dans la boutique? Ça ressemble pas à une boutique. Ah, c'est exactement ce que j'avais dit. Oublie ça. Et moi, je ressemble à un bouquetier? Quoi? Peu importe. Tiens, voilà une amélioration pour recharger ton laser. Il y a des améliorations aussi? Cool. Bon, et ben, je vous remercie pour l'amélioration du chargeur laser. Tu peux, j'ai pas lu. Je me disais bien que ça me manquait. Oui, c'est pourquoi Raid 3 l'a inventé. Raid 3 peut-être. L'a inventé, il y a plusieurs décennies. Qui est ce Raid 3? C'est une blague qui fait suite à une autre. Je ne comprends pas. D'autres comprendront. Bon, ce qu'ils parlent de nous, mais je comprends pas. Bon voilà, le jeu se termine comme ça, on devient marchand. Salut, tout se passe bien? Je m'ennuie un peu, mais ça va. Non, je voulais dire, ça fait un moment que ton messager n'est pas passé. Tu crois? Je ne venais pas souvent à la boutique de mon temps. Tu es dans la tour du temps, je te rappelle. Et alors? Elle devrait te téléporter automatiquement vers le prochain moment important. Qui est? Soit ton messager entre dans la boutique, soit il meurt. Ah, alors ton messager est-il mort? Comment je saurais? En te servant de ta boule de voyance. Si Quasimodo n'arrive pas dans les 10 secondes, ton messager est mort pour de bon. Tu comptais me le dire quand? Oh non! Oh non, 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 non. Que se passe-t-il? Il faut qu'on règle ça. Ah, c'est on maintenant? Allons, c'est pas le moment de se disputer. Abordons plutôt le problème de cette manière holistique. De manière holistique, ça veut dire quoi au juste? Je suis juste aussi perdu que toi, mais j'essaie quand même de te faire croire que je suis plus malin que nous deux. Attends, je vais chercher le parchemin. Je suis sûr que c'est des messagers. Ne bouge pas, il faut que je parle aux autres.
On va nous redonner le parchemin. Tous les coups. Bon. Nous nous sommes mis d'accord. C'est toi qui dois finir cette histoire. Vraiment ? Oui, vraiment. Je t'avais dit... Tu n'avais vraiment pas le profil d'un bouclier de toute manière. Je te laisse le parchemin ici, avec les vêtements. Rejoins-moi quand tu seras changé. Bon, ça a sauvegardé. Bon. Du coup, les gens, pour ce qui était de Messenger, on va s'arrêter là pour tout de suite. Donc, pour la VOD, je vous dis à la prochaine. Et dans quelques instants, pour les gens qui restent sur live pour Hollow Knight. Hein. Allez, à dans quelques instants.